venue voir Philibon qui font les ananas Victoria. Je suis venue puisqu'ils ont eu cette chaîne pour pouvoir emballer les ananas Victoria, confinancées par le FEADER par l'Europe, qui est pour moi extraordinaire. Vous m'avez expliqué aussi vos problématiques que vous subissez aujourd'hui en tant qu'agriculteur, les agriculteurs réunis par rapport au problème sur l'ananas aujourd'hui, qui est un problème depuis au champ, qui a été un produit qui a été retiré. Il nous manque beaucoup de produits phytosanitaires, surtout en zone tropicale, pour lutter contre les nuisibles que nous pouvons avoir dans les champs. On se demande jusqu'à quand on pourra tenir, surtout que l'ensemble des subventions sont en train d'être revues, d'être diminuées et n'augmentent pas à hauteur de l'inflation. Nous n'avons plus les moyens d'assumer aujourd'hui des cultures dans les Outre-mer.